Et ben salut tout le monde, c'est SGamer54, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Sonic Online Fatal Brawler, épisode 9, si je dis pas de conneries. Du coup, certes, on se retrouve directement à l'endroit où il faut aller. J'étais en train de prendre un petit peu des petits niveaux, etc. Et puis, quoi d'autre? Si j'ai apporté tous les objets que j'avais trouvés non identifiés, maintenant ça y est, je les ai identifiés tous. Bon, il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Bon, je les ai pas équipés, hein, parce que voilà, je préfère garder ce que j'ai pour le moment. Après, si je vois que je galère beaucoup, bah, je le mettrai. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, ça va être vraiment un petit court épisode. Je pense une vingtaine ou 25 minutes à peu près, je vais essayer, je vais en faire. Après, si c'est plus longtemps, bah, c'est bien. Voilà. Mais je vous préviens tout de suite en avance, si vous voyez c'est court, bah, ne soyez pas surpris. Voilà. Du coup, ouais, parce que, en fait, j'ai plus beaucoup trop de temps, hein, pour tourner aujourd'hui. C'est la troisième vidéo là, je fais aujourd'hui, la troisième ou la quatrième. Et là, du coup, parce qu'après, il faut que je parte. Et je sais pas à quelle heure je vais rentrer, c'est pour ça que je me dépêche un petit peu. Déjà, je fais des excuses déjà en avance. Je m'excuse déjà en avance, comme ça, voilà, comme ça vous êtes déjà au courant, ça va être vraiment un court épisode. Je pense qu'on fera le boss. Après, il y aura peut-être plusieurs passages de blabla, puis après, on va s'arrêter là, quoi. Alors, allons trouver le boss. Le boss de la zone en plus. Ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle zone. Peut-être que la mise à jour sera finie de Robin, ouais, un truc comme ça. Et en fait, je crois, les amis, j'ai trouvé, en fait, c'est quoi? Je crois que c'est château avec 10 étages. Ou 1000 étages, ou un truc comme ça. En fait, dans Sonic Online 1, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, en fait, c'est un gros château avec plusieurs étages, et chaque étage, il y a un boss. Et je crois que c'est ça, en fait. Ils ont fait une mise à jour avec des nouveaux étages, à mon avis, c'est un truc comme ça. On verra. Moi, je pense que c'est ça. Bon, je pense plus que c'est ça qu'autre chose. Après, je peux me tromper, on verra. Voilà. On verra quand ça sera le moment venu. On sera et puis tout ça. Alors, Yulu, c'est sa tribu. Parce que là, je sais pas si en descendant on peut mourir ou pas. Sinon, j'ai fait quoi aussi? J'ai donné les points de force et puis tout ça. J'améliore un peu le perso de deux côtés. J'ai fait encore des petites katanes, bon, vraiment pas trop intéressants, hein. C'est des personnages pour dire ouais, c'est bientôt fini la mise à jour, il y aura bientôt la mise à jour prête et puis tout ça, t'approches vraiment à grands pas, etc. À part dire ça, voilà, c'est vraiment pas intéressant. Puis ça fait perdre trop de temps, en fait, c'est que des cinématiques, en fait. Là maintenant, si je tombe tout le temps sur les cinématiques, t'as même pas de niveau, t'as pas de combat, t'as rien. Du coup, je pense que c'est pas trop intéressant pour vous, les amis. Puis en plus, les cinématiques, en plus, les papotages, c'est pendant une demi-heure, 40 minutes. C'est abusé. Mais bon, c'est comme ça. Là, il faut descendre, à mon avis. Oula. Alors, le boss de la zone. Ok. Après, on va changer de zone. On dirait le même endroit qu'on a été tout à l'heure. Pas tout à l'heure, mais dans l'épisode 6. 6 ou 7. Oh. Ok. Attends, je vais prendre mon sabre pour avoir mon pote. Voilà, tu fais moins de malin avec mon sabre. Je suis plus fort que toi avec le sabre laser, mon pote. Haha.
pouvez sortir de la zone. Ah merci, c'est sympa. Ouais, je regarde de temps en temps si mon micro j'ai bien activé parce que une fois j'ai parlé tout seul comme un bureau quoi, et j'ai pas envie de recommencer la même chose. Oula. Allez, meurs. Yes. Voilà, il faut descendre à mon avis. Bonjour, je cherche le boss s'il vous plaît. Bon, ça, vous avez vu dans le jeu, franchement il est sympa. Il n'est pas compliqué, c'est cool. Bon, je pense que le boss de fin du jeu, à mon avis, ça va être épique. Bah, comme dans tous les jeux sur la zone 9. Tout le monde, quand c'est la fin, elles sont vraiment épiques. Bon. Mais là, je sais pas si je retourne en arrière. 2000 points d'SP à chaque boss tué. Chaque ami que je tue. C'est chaud quand même. Hop. Ouh, ça sent... Ça, à mon avis, on approche de la fin. Par contre, je sais pas si j'ai bien pris passage A ou... Ou pas. La zone du boss. Yeah. Ah, c'est trop cool. Je suis content. Alors, ça on va l'activer, voilà. Et c'est parti pour le boss. Oh, c'est quoi ça? Oh, niveau 50. Ça vous fait penser à rien, les amis? Oula, oula, oula. C'est un rhinocéros. Niveau 50, il veut pas. J'en ai déjà battu un. Et en plus, j'avais pas amélioré mon... Mon perso et puis tout ça. Du coup là je pense que ça risque de le faire. Allez vas-y. Vas-y, vas-y. Allez. Oh, je perds trop de vie. Oh, je sais pas, je voulais faire quoi. Oh non, je suis fait empoisonner. Oh non. Allez, vas-y, la première barre de vie. C'est fini. J'adore Sonic the Night, c'est abusé. Je suis vraiment un grand fan de Sonic the Night, amis. Franchement, ce jeu-là, je le kiffe. C'est un truc de fou. Ah, c'est vrai, j'ai quand même deux jeux Sonic the Night que je kiffe. J'ai Lone Sun et puis celui-là, Fatal Brawler.
Bon, après les autres je vais essayer quand même de les faire quand même les jeux, mais de mon côté quoi. C'est trop compliqué, ça abusé. Oh là là. Armure créature étrange. Oh non. Là, c'est la dernière barre. Allez, vas-y, meurs. Meurs, s'il te plaît, meurs, 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 meurs. Oh, ça y est, il va mourir. Oh, voilà, c'est bon, il est mort. Il est mort. Abusé, c'est cool. Rendez-vous dans les bois. Ok, dans les beaux billets. Bon, bah, c'est le 1. Alors j'essaye de passer, on peut pas. Ah, se garder. Ah, cool. Niveau 31, yes. 36. Bon, votre territoire, je pense qu'il va prendre niveau 48. 45. Ça va. Ça va, ça va. Bah, c'est bien, on monte de niveau, c'est cool. On approche vraiment franchement on avance très très bien ce jeu. Bah, je vous laisse avec les cinématiques les amis et puis on se retrouve juste après. À tout sweet. ここも随分賑やっ。僕としては、もっと静かな方が好きだな。珍しく意見があったわ。あの人は不思議と人を集めるところがあるわね。あっという間にテレスカさんたちと仲良くなってますしね。まあ、まだまだ私がいないとダメですけど。そうかい。最近はだいぶ腕を上げてきたようだ。ああ、それはまあ、でも、あの人にとって クレハちゃんの大事な相棒でしょ。でもクレハちゃんの子だったらいいんですけどね。<笑>あいつ昔そういう関係羨ましいわ。へえ、最強のソロプレイヤーと名高い無冠の女王も、そういうセンチメント。自分の心に嘘をついても嘘つき。あなたも遊んでほしい相手には 素直に遊んでと言える方が得。そうやって。あいつ？だって顔に書いてある。では。いつきさんに口で勝つなんてすごいことつきたわ。GGOの差といっても戦術も趣味も全く。まあ最近は妙に楽しそうだし。マスター、いつきは機嫌が悪いように見受け。ええ、退屈よりは雪餅を焼いて。 おめえ、コロメル。
に帰れます。よかったですね、レイちゃん。パーツも集まったし。SBC フリューゲルはかなりの難度らしい。そうだな。フリューゲルが落下した時の衝撃で。だから SBC フリューゲル周辺、当然その中心であるフリューゲルにはどんなに強いエネミーが出ても任せ。ねえアファシス、お家にはお母さんが待っているのです。お母さんはとってもやでもエネミーが出ないわけの。私がいれば大丈夫です。なぜならお母さんが言ってました。うわ、大事な攻略情報じゃ。思い出しました。は、おやつなら一人じゃなくて。何かの暗号か。おやつ、もっとさ、エネミーの情報や昔のことはあまり覚えていないので。それにお母さんに会えたらきっといろいろと。私が大好きなみんなならお母さんは歓迎して。はい、楽しみです、マスター。それで誰を連れていくんだい。うん、何が待っているかわからない以上、まずは様子見で。アバシスのこともあるし、今回は君とアバシスで二人だ。強力な前衛はいる。ストップ、それっぽいこと言ってるけど。まさか。僕も立候補するよ、絶対役に。私も。まさか。僕も行きたいが、ほとんど情報なしで。私も行きたいです。結局みんな行きたいんじゃない。どうする、選択権は君にあると思う。よし、決まった。じゃんけん、ほい。やった、まあと。今日はついているな。早速行こうぜ。残念。ねえ、僕に運がないことを。こんな運頼みの勝負でこのお返しは近いうちに必ずす。Et ben voilà les amis, ça y est, on a trouvé rendez-vous à la porte du Sturgeon. N'auriez pas oublié. Ça y est, on a enfin débloqué. Tant attendu. La mise à jour est déjà faite. Et puis ben voilà quoi, c'est cool. Ouh, un fusil précision. 1250. Ouais, attends, 1270. Valeur d'échange, ouais, dégâts, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ça me tente bien, celui-là, par contre. Bon, on verra ça. On va juste passer dans la chambre. En fait, j'ai confondu avec un autre truc, en fait, les amis, dans Silent Night. Je sais plus comment ça s'appelle, alors du coup, la tour avec les 1000 étages. Ah, faut que je regarde Silent Night. Ou pour ceux qui savent, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ah, pour ceux qui connaissent Silent Night, qui savent comment ça s'appelle, la Round Tour qu'on voit dans la saison 1 du manga. En fait, c'est une Round Tour et à chaque étage, excusez-moi, t'as un boss. Il y a 1000 boss en tout. Bah, pour aller jusqu'au boss final, c'est 1000 étages. Mais je sais plus comment ça s'appelle au fait. Enfin, c'est pour ça, si vous savez, en tout cas, nous les amis, on va se laisser ici. Voilà, voilà, pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis. Et puis, franchement, ça serait très sympa de vous. Moi, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, en fait, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais, c'est court comme vidéo, mais comme je vous avais dit avant, j'ai plus beaucoup trop de temps. J'ai plus de temps pour aujourd'hui pour faire le tournage. Du coup voilà. Du coup, dans le 10e épisode, les amis, on commencera les choses sérieuses, évidemment. À Furgel, évidemment, pour affronter le gardien du portail. Et je crois que c'est celui qu'on a vu dans la cinématique. Un sort de gros robot là. Bon, on verra. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve la suite très prochainement, les amis, vous inquiétez pas. Allez, ça y tourne. Bye bye.